Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time, you're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would've believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Ma tête témoigne de ce qu'on est en train de vivre là actuellement. J'en peux plus, je suis prête à conduire là 6 heures s'il le faut parce que les petits ils me retournent le cerveau. Alléluia! On est parti déjeuner au McDo, on a un prix de fou, hein. Juste un menu mabrouf, donc en gros dedans il y a un amb et un wrap. Et on a repris la route, Camille est en train de dormir donc il y a des fêtes qu'il se réveille une fois qu'on arrive. En fait ce matin on a galéré parce qu'on n'avait pas tiré d'oseille. On avait une borne dans le péage qui nous permettait d'acheter directement un pass pour pouvoir éviter de faire la queue par les péages. Et je crois que c'est la meilleure chose qu'on a fait de notre life. Parce que là on ne fait plus la queue quand on arrive dans un péage, on trace. Donc finalement dans tout mal il y a du bon. Parce qu'on pensait avoir perdu énormément de temps. S'étant fait recaler parce que du coup on n'avait pas d'espèce sur nous, mais finalement en fait c'est un gain de temps parce qu'on nous a fait une carte dans laquelle on a rajouté 310 dirhams et autant vous dire que on a fait que gagner du temps en fait. Regardez-moi ça. Et bingo, donc ne jamais désespérer. Oh my god! Oh, c'est la grande chambre! J'adore. Alors, Elias? Les vaisselles, il est tout chaud. Ok, alors enlève tes plaquettes. Yo, les amis! On se retrouve après avoir pris une bonne douche. Alors, on est passé rapidement à la mer, enfin à la plage, pour baigner Elias parce qu'il y avait ma cousine avec ses enfants, tout ça, donc il était au max. Carrément. Et là, on s'est habillé pour aller manger du poisson. Du hut, comme on dit. La vérité, la vue, elle est waouh. Beaucoup de secousses, donc je vais vous reprendre je pense une fois qu'on arrive, mais concrètement ce matin je me suis renseignée sur les différentes plages qui étaient sympathiques, en tout cas à faire du côté de Tanger, enfin dans le nord, parce que du coup il n'y a pas que Tanger en fait, dans le nord il y a Tétouan, Nador, bref plein de villes super sympas à faire et on a trouvé une plage, hâte de voir ce que ça donne. Avec l'eau turquoise et tout, un peu plus loin que Tanger, genre à une heure. Par contre, c'est vraiment relou de voyager avec des gosses, qu'on se le dise. Late nights on the sofa, watching a soap opera. I feel your hands on my body, wish we were getting naughty. Oh, I'm just getting started, thinking about how you feel so right. We can go.
just like something out of a movie. You see right through me. It's like you already knew me. We can go up. Or we can go down. Left or right, do or die. Come on, don't be shy. We can go up. Or we can go down. Left or right, do or die. Come on, don't be shy. Baby, come and be with me tonight. Comme d'hab, comme une tomate. Par contre, là, on a vachement, vachement, vachement bronzé. Mais on a tellement... Bon, là, j'ai un star. On a tellement profité de la mer aujourd'hui que vraiment, on est explosé. Donc, on va juste aller manger en bas de l'hôtel. On vous emmène avec nous. Oui, il te met... C'est la mienne, il n'est pas tombé. Il te met que un petit pauvre bébé. You and I, we got it. Crickets see the moon side by side and through no limit to what we can do. Bon, on rentre à l'hôtel. Il y a les sirènes qui nous préviennent de rentrer parce qu'il est pratiquement 21h, donc il est 8h56. Il nous expliquait que là, la côte où on est, Tanger même, c'était le port, un des ports principaux où les bateaux déposaient, vous savez, la traversée. Voilà, donc c'était juste ici. Et j'ai vraiment beaucoup de souvenirs de cet endroit, enfin, sans savoir que c'était ici, parce qu'on faisait nos traversées depuis Algeciras à Tanger.
guys, welcome back. Dans ce vlog, on se retrouve. Alors, ça date. Franchement, je sais plus du tout où est-ce que je me suis arrêtée, ce que j'ai filmé, ce que j'ai vlogué. Enfin bref, j'ai fait que filmer. Aujourd'hui, on est jeudi. C'est notre avant-dernier jour à Tanger. Et devinez qui a débarqué. Zoro. On adore. Zoro débarque quand je suis à la plage. En fait, aujourd'hui, on va aller à Chef Chaouen. Enfin, on va essayer. Et parce que du coup, c'est pas que je veux priver tout le monde. Mais en fait, on se dit, tant qu'à faire, autant aller visiter un petit peu parce qu'on n'est pas loin. C'est relatif, on est à 2 heures. Donc là, j'attends les garçons qui sont partis vite fait faire quelques courses. Moi, je me suis préparée très rapidement. Et je vous embarque avec nous pour cette journée à Chef Chaouen. Avec les enfants. Faut le préciser. C'est important. Direction le Sampco parce que j'ai besoin de 2-3 trucs. Regarde Camille, ton frère il a une moto. C'est magnifique. C'est ta moto ? Quand t'as envie d'être discret, mais que ton mari et ton fils te rappellent que ce ne sont pas un mot d'ordre. Pendant que les garçons sont en train de faire de la moto, je vais faire du shopping. Merci, au revoir. Ah oui, l'ascenseur qui met 100 ans. Waouh, c'est à qui ça? C'est à moi. Ok, je te les tiens? Oui. C'est bien comme tu fais. On s'est fait jarter de la plage par la police parce qu'il est 20h20. Donc on est resté une demi-heure, même pas hein, je crois, un quart d'heure.
J'ai trop le seum. Et Elias, il est au bout de sa vie. Tout à l'heure, j'avais dit à Elias, viens, on va sortir à la plage. Il m'a dit non, je suis fatiguée. Oh no, I gave my heart away. Went a bit too far. So wrong. Oh no, open up my soul. But babe, how could I know? You're cold. Shame on you. Should have seen what you were like. Dangerously nice. You got me all over. Did it! Oh Lord, I guess you fooled me once.